quand on a été interrompu, je me sentais plutôt bien sur le terrain. Je trouvais pas que la chaleur était trop dure et j'avais pris l'ascendant sur le match. Je sentais que lui, physiquement, ça devenait beaucoup plus dur. Et moi, je voulais justement enchaîner pour voilà, essayer d'enfoncer le clou. Mais un adversaire hyper dangereux qui est capable de très bien servir, qui était hyper agressif au premier, qui mettait beaucoup d'énergie. Et avec la chaleur et les conditions de jeu étaient hyper rapides, les balles étaient beaucoup plus légères, du coup c'était pas facile de les contrôler quand lui m'agressait vraiment. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris, je me suis retrouvé voilà, à perdre le premier set. C'est vrai, on sait qu'ici c'est toujours le cas, mais le passage entre 11h30 et 13h pour les droitiers d'un côté, tu vois jamais la balle au service, c'est hyper compliqué. Et ça a été un match dur à maîtriser au final, mais je suis content de m'en sortir en 4. Ça sera un gros morceau à jouer. Après, on s'entraîne pour ces matchs-là, pour vivre ça en Grand Chelem. Le match, il y aura évidemment des choses à préparer. La première chose, ça sera bien sûr de récupérer et d'arriver au max jeudi. Mais voilà, c'est le genre de match qu'il faut gagner. Il faut tout donner. Il y aura forcément la place à un moment si on met ce qu'il faut en place et qu'on prépare bien le match. Maintenant, voilà, ça reste un match de tennis, il peut se passer beaucoup de choses et en tout cas on essaiera d'arriver le plus près possible et avec des idées assez claires pour l'embêter. C'est vrai que cette année ça a été un peu différent, j'ai été blessé en fin de saison, j'enchaînais pas mal de pépins et au final ça m'a permis de vraiment couper beaucoup plus que les années d'avant. On a pris le temps de reprendre, ça a été cool parce que physiquement tout s'est bien passé depuis la reprise et j'ai pu voilà, trouver les charges de travail qu'il fallait sans avoir de douleurs précises et faire un bon début de saison en enchaînant les matchs. Donc c'était important pour moi, j'ai réussi voilà, à retrouver ce rythme-là et c'est top.